Salut à tous, donc on se retrouve dans une nouvelle série de vidéos. Donc nouvelle série de vidéos consacrée à la remise en route d'une Dodge Dart de 1965. Donc c'est le nouveau projet de la chaîne. Donc c'est une voiture que j'ai achetée le mois dernier. Ça doit faire à peu près 2 ans qu'elle a pas roulé. Donc c'est une série de vidéos qui sera faite en parallèle d'un article technique pour le magazine Torque, donc revue papier. Donc voilà, je vais faire ces deux choses-là en parallèle sur l'auto. Sinon, au niveau des travaux, ça sera du freinage, de la suspension. Le moteur, je n'ai pas encore réussi à le démarrer, il n'est pas bloqué. Donc il y aura tout ce qui est allumage, les vidanges, un gros entretien, le carburateur et du rite. Et le circuit de refroidissement à refaire, le radiateur neuf. Les pneus, c'est déjà changé. La transmission, une vidange, et puis après on essaiera quand la voiture aura redémarré. C'est une boîte automatique. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Allez, c'est parti. Et donc pour revenir un petit peu sur le modèle en question, donc c'est une Dodge Dart de 1965. Donc ça fait partie du groupe Chrysler, donc avec les Plymouth et autres Mopars. Donc celle-ci, c'est une A-Body. Donc c'est le nom de la plateforme en fait qui était partagé avec les Plymouth Valiant aussi. Donc c'est une voiture qui est, donc c'est un modèle américain et qui a été vendu neuve en France, donc distribué par Simca Chrysler à l'époque. Donc elle n'a jamais roulé aux États-Unis. Que dire de plus sur cette voiture? Donc c'est un 6 cylindres, un 170 cubic inch, donc ça fait 2,8 litres. Et c'est une boîte auto, la 904, donc c'est une automatique 3 rapports. Et puis voilà, donc c'est 4 tambours, enfin, c'est une mécanique qui est assez simple. On trouve toutes les pièces, donc je vais vous montrer, j'ai déjà commandé toutes les pièces nécessaires à la révision. Et puis voilà, allez, on se met au boulot. Donc le premier objectif sur la remise en route, donc ça va être de déposer les 4 tambours de frein, enlever les platines de freinage, et puis tout démonter, puisque j'ai tout acheté en neuf, les cylindres de roue, les garnitures, les ressorts, les flexibles, enfin vraiment tout va être remplacé. Donc aujourd'hui, je vais essayer de démonter tout ça. Dans un prochain temps, on regardera pour faire la mise en route moteur. Donc tout ce qui est vidange, réfection d'allumage. Voilà, recherche de la panne parce qu'elle ne veut pas démarrer. Donc il n'y a pas d'allumage, donc c'est, je trouve d'où ça vient. Donc juste pareil, j'ai commandé des opteurs, un condensateur, une bobine, des fils de bougie, des bougies. Donc on va remplacer tout ça, comme ça on repartira sur un truc clean, neuf. Et puis voilà. Voilà, donc j'ai déposé les tambours. Bon, alors c'est pas catastrophique, mettons les garnitures sont bonnes, mais sur ces voitures-là, les pièces sont tellement abordables et peu chères que j'ai préféré tout changer, elles sont peut-être un peu sèches ou quoi. Dans le doute, j'ai tout recommandé, donc on va tout déposer. Donc les ressorts, enfin vraiment dépouiller complètement la platine. Et puis après, je vais nettoyer, repeindre, et puis on remontera une prochaine fois. Voilà, donc je viens de finir de démonter le tambour arrière, donc pas de mauvaise surprise, le cylindre de roue était effectivement bloqué, rouillé, pas étonnant après tant d'années d'arrêt. Donc là je vais nettoyer et puis d'ici les prochaines vidéos repeindre la platine et puis on va pouvoir installer les pièces neuves. Bon, je vais pas tout refilmer pour l'avant, le principe est exactement le même, là on a les câbles de frein à main en moins. Par contre, on a pour déposer le tambour, il faut enlever le roulement de roue. Donc, enfin, les roulements de roue. Donc là, il y a une goupille, il faut que je nettoie. Il y a une goupille, un écrou, un premier roulement conique, un deuxième. Et puis après, on peut sortir le tambour. Bon, alors, on remarquera aussi que sur les deux tambours avant, j'ai des goujons de cassé. Donc, j'ai commandé des goujons neufs, mais j'ai aussi trouvé des tambours avant d'occasion qui proviennent d'une autre 65. Donc bon, à voir si je change pas carrément le tambour complet. Bon, après c'est pas bien compliqué de changer le goujon, mais
quitte à faire, à voir. Bon voilà, j'ai déposé les plateaux de frein avant. Donc je vais pouvoir les brosser et les repeindre. Bon, dans la liste des pièces à remplacer, j'ai aussi mis les amortisseurs. Ceux-là, ils ont plutôt fait leur temps. Je sais pas si c'est ceux d'origine, j'ai pas cherché de marquage ou quoi. Mais bon, dans tous les cas, il fallait les changer. Bon voilà, donc je continue ce premier épisode avec la révision de l'allumage. Donc là, j'ai sorti la tête d'allumeur et les fils de bougie. Et puis bah, je vais remettre les nouveaux sur la nouvelle tête. Et puis on va remonter ça. Voilà, donc on a pas mal avancé, ce premier épisode se termine. On se donne rendez-vous dans quelques semaines pour la suite du projet. Allez, à bientôt!